Bonjour et bienvenue encore dans cette session. Nous sommes toujours dans notre mois du Parafave, le mois pour bâtir votre estime de soi, pour renforcer vos activités. Et oui, nous avons vu plusieurs thématiques, plusieurs conseils pour vous aider à vous relever après un traumatisme, pour rendre fortes vos activités. Peu importe le traumatisme que vous avez subi. Et aujourd'hui, nous allons parler de comment vous allez fructifier votre activité, de comment vous allez gérer l'argent de votre activité. Je suis Annie Van Amitelamine. Je suis consultante en gestion d'entreprise ou de projet. J'accompagne également, dans un autre cadre, les femmes qui ont subi des viols, des abus sexuels. Je les aide à se relever et à se reconstruire. Alors, vous avez une activité. N'oublions pas, votre activité fait partie de votre reconstruction. Il faut donc que votre activité soit en même temps votre passion, mais en même temps qu'elle vous permette de pouvoir avoir des retours sur investissement. Vous ne pourrez pas travailler et ne rien avoir de votre activité. Ça sera épuisant émotionnellement. Même si vous continuez pendant bon nombre d'années, mais à un moment donné, ça va vous peser et ce très lourd. Cependant, nous avons vu qu'il est important que vous puissiez fixer les bons prix, connaître la valeur de votre travail. Fixer les bons prix, ça vous permet aussi d'être rentable, de pouvoir justement avoir le gain. Mais il y a d'autres conseils qui sont très importants à noter lorsqu'on gère une activité, parce que la gestion de l'argent pour une activité est très difficile. On peut partir avec un capital donné et en cours de chemin avoir des difficultés à faire travailler ce capital ou en même temps à faire travailler les bénéfices du capital. Que faire? Réfléchissez un instant. Quelles difficultés avez-vous dans votre activité? Comment est-ce que vous arrivez à gérer le capital que vous avez investi dans votre activité? Est-ce que aujourd'hui, les bénéfices que vous avez, vous pourrez les retracer? Réfléchissez un instant. Qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous empêche de faire fructifier votre activité? Est-ce le recouvrement? Est-ce la discipline? Est-ce le manque de, c'est-à-dire de stratégie pour pouvoir justement séparer les choses dans votre activité, les biens de votre activité et vos biens personnels? Tout ça s'apprend. Tout ça, ça s'apprend et on se donne une très, très, très grande discipline pour pouvoir les incarner. Bien gérer l'argent de son activité est crucial. Il est important de savoir épargner pour y investir. Il est important d'éviter de consommer l'argent de son activité. Il est important d'optimiser sa trésorerie. Avant, il faut que vous puissiez apprendre à développer des habitudes financières saines. Mais comment? Comment développer ces habitudes financières saines? Première chose à faire, il faut planifier vos dépenses. Il faut avoir un plan pour vos dépenses. Un plan à court terme, un plan à long terme.
Il ne faut pas les laisser dans votre tête. Vous avez un bloc notes. Vous êtes à l'aise avec Excel. Écrivez vos dépenses. Planifiez vos dépenses. Dans un mois, vous avez besoin de quoi pour produire ce que vous faites? Dans 3 mois, vous aurez besoin de quoi comme dépenses pour produire ce que vous faites? Planifiez tout ça. C'est très important afin d'éviter justement aussi des dépenses inutiles, des dépenses imprévues. Planifiez vos dépenses. Suivez correctement vos dépenses. La deuxième chose à faire comme habitude financière saine. Il est important que vous puissiez avoir un bon suivi. Ne dites pas que votre activité est encore petite, vous n'avez pas besoin de tracer. Non. Il faut mettre de la rigueur. Rappelez-vous toujours, j'aime bien le dire, quand on est fidèle dans les petites choses, Dieu, il nous confie de grandes choses. Si vous ne prenez pas des habitudes saines dès le départ, quand vous serez grand, vous ne pourrez pas le faire. Suivez rigoureusement vos dépenses. Cela vous permettra de mieux comprendre où va votre argent et de prendre de très bonnes décisions financières. Troisième habitude saine à avoir, c'est de savoir investir son argent. On n'a pas besoin de gros millions pour investir. On peut investir avec le peu que nous avons. Et ce, petit à petit. Si vous attendez toujours d'avoir de gros moyens pour investir, vous n'allez jamais, mais jamais investir. Investissez votre argent de façon judicieuse. Ça va vous aider à augmenter les bénéfices de votre activité. Ça va vous aider à créer une sécurité financière à long terme. Et oui. Comment gérer son capital efficacement? Il faut avant tout, comme je l'ai dit, avoir une bonne situation financière. Connaître la situation financière de votre activité. Prendre des bonnes décisions, de noter, de prévoir, de planifier. Prendre des bonnes décisions dès le départ. Il faut que vous établissiez un budget pour votre activité. Qu'est-ce que vous prévoyez pour 1 mois, pour 2 mois, pour 3 mois comme coût? Et qu'est-ce que vous aurez comme recette dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois? Il faut que vous puissiez faire ça. Si vous ne faites pas ce travail au préalable, vous aurez du mal à gérer efficacement le capital de départ que vous avez. Votre budget doit intégrer les coûts et les investissements futurs et même les recettes futures. En troisième position, pour mieux gérer son capital, il faut que vous puissiez apprendre à évaluer et à réduire les risques. Vous vous rappelez, entreprendre, c'est vraiment une succession de risques. Mais on peut utiliser beaucoup d'outils pour limiter ces risques. C'est très important d'identifier dès le départ les risques que vous pourrez avoir. Oui, je prévois vendre 10 Pour pouvoir vendre 10 pots, je dois en produire 10. Dans un mois, j'aurai besoin de 17 000 francs pour produire cela. Comme coût, j'aurai besoin de 2 000 francs pour le transport, de 2 000, c'était tout ce que vous avez. Mais il peut également arriver un risque que les clients n'achètent pas tous les 10 pots que j'ai fabriqués. À ce moment, les recettes, par rapport aux recettes que j'attends, qu'est-ce que je prévois comme plan B?
il faut que vous puissiez apprendre à évaluer les risques de façon continuelle quand vous faites vos prévisions. C'est important. Il faut, mesdames, que vous appreniez à éviter de consommer l'argent de votre activité. C'est vrai, c'est une activité qui vous permet de vous nourrir, de nourrir vos familles. Mais si vous consommez continuellement et à n'importe quel moment l'argent de votre activité, vous ne pourrez pas progresser. Vous ne pourrez pas emmener votre activité, votre initiative à un autre niveau. Vous allez faire du surplace. Il faut que vous compreniez ça. Et cela demande une très grande discipline. Les risques, lorsqu'on consomme l'argent de son business, c'est qu'après, on a des dettes et plein de dettes. La consommation fait qu'on laisse notre entreprise dans une situation très vulnérable. Parce que l'argent qui aurait servi pour acheter des coûts, des dépenses de votre production, par exemple, vous allez l'utiliser pour gérer quelque chose dans votre maison. C'est vrai, votre maison en a besoin. Mais après, votre entreprise, votre activité aura des dettes. Parce que vous devez trouver où combler le gap que vous avez créé. Le fait de consommer l'argent de son activité va entraîner un manque de trésorerie continuelle. Vous n'allez pas être stable. Vous serez toujours, mais toujours à court de liquidité. Le fait de consommer l'argent de son activité entraînera que vous allez handicaper votre capacité à développer votre activité. Vous ne pourrez pas atteindre d'autres domaines. Vous ne pourrez pas construire une croissance et une réussite à long terme de votre activité. Et quand cela n'est pas possible, c'est encore un échec. Si vous avez déjà été dans ce genre de cas, ce n'est pas trop tard. C'est possible de se relever. C'est possible de se réorganiser. C'est possible de réduire petit à petit tout ce que vous avez comme dette, comme manque de trésorerie. N'hésitez pas à vous faire accompagner par des experts qui vont vous aider justement à sortir dans cette extrémité de manque de trésorerie. Comment alors éviter de consommer l'argent de son activité? Vous avez votre activité, vous produisez des savons, des confitures, vous produisez des services, vous vendez des habits, vous faites une activité. Pour éviter de consommer l'argent de cette activité que vous avez mis en place justement pour qu'elle se développe, respectez rigoureusement votre budget. Vous vous rappelez, nous avons dit dès le départ qu'il faut que vous puissiez avoir un budget pour votre activité. Respectez-le. En plus d'avoir un budget pour votre activité, combien je dois produire dans un mois, combien je dois vendre, etc. dans un mois, dans deux mois, dans trois mois, etc. Il vous faut aussi créer un budget pour vous-même. Vous êtes marié peut-être, vous avez des enfants, il vous faut mettre en place un budget pour votre famille. Combien je mets pour ma famille chaque mois? Quelles sont les dépenses dont j'ai l'habitude de faire face pour ma famille, pour moi-même chaque mois? Et quelles sont les entrées qui me permettent justement de faire face à ça? Il faut que vous puissiez le faire. Avoir un budget personnel, avoir le budget de son activité de façon séparée. Il faut le faire.
Deuxièmement, une fois que vous avez séparé les deux choses et que vous avez les deux budgets, il faut apprendre à épargner. Comme je disais, investir, épargner, on n'a pas besoin d'avoir de gros moyens. Même le fait de mettre 1000 francs chaque jour dans une caisse, dans un endroit bien sécurisé, ou chaque mois, c'est une façon d'épargner. Ne minimisez pas les faibles commencements. C'est une discipline qui se crée progressivement. Épargner pour faire face aux situations d'urgence. Dans la vie, on est toujours face à des situations d'urgence. Il faut justement avoir un peu de côté tout le temps. Un petit fonds de sécurité tout le temps. Et ce fonds de sécurité, ça se construit. Ça se met pas tout d'un coup, boum. Mais ça se construit petit à petit. Petit à petit, en faisant des retraits, ce qui doit vous revenir. Quand vous avez fait votre budget d'entreprise, les bénéfices, une partie vous revient. Une partie continue à travailler dans l'entreprise. Vous prenez dans ce qui vous revient, une partie vous mettez de côté, une autre partie vous consommez pour votre famille. Faites ceci. Et troisième chose, pour éviter de consommer l'argent de son activité, il faut suivre correctement et rigoureusement son budget. Il ne faut pas laisser au hasard la gestion financière de votre activité et de votre entreprise. Et une fois que vous mettez ces éléments en place, ces outils, ces disciplines en place, je vous assure, petit à petit, vous allez sécuriser l'argent de votre activité et même l'argent de votre famille. Lorsque vous allez faire le budget de votre activité ou de votre famille, vous allez vous rendre compte peut-être dans les coûts, dans les entrées ou les recettes, parce que si c'est pour l'activité, pour votre maison, dans les dépenses mensuelles, dans les entrées mensuelles, vous allez peut-être vous rendre compte qu'il y aura peut-être un gain. Soit les entrées ne sont pas suffisantes, soit les dépenses sont très élevées. Il faut donc regarder des situations alternatives pour faire face à ce déséquilibre. Si c'est dans votre activité et que les coûts sont trop élevés, revoyez vos coûts. Qu'est-ce que vous pouvez réduire qui ne va pas avoir de l'impact dans la production de votre produit ou de votre service? Réduisez. Sinon, si les coûts sont justes, il suffit alors de jongler sur l'augmentation des recettes. Comment augmenter les recettes? Diversifier vos produits. Proposer d'autres choses pour augmenter justement les recettes de votre activité. Ou alors, faites-en plus, vendez plus pour augmenter les recettes, si vous en avez la capacité, bien sûr. C'est ainsi que vous pouvez jongler. Si justement toutes ces alternatives-là ne sont pas, ne suffisent pas, vous pouvez penser à d'autres solutions alternatives comme le recours à des emprunts bancaires. Mais n'ayez pas peur de ça. Quand on est dans une activité, on peut utiliser l'argent des autres pour créer, pour développer son activité. Mais toujours que ce prêt serve à votre activité, à investir pas un prêt pour consommer, pour acheter des habits. Non, on ne fait pas ce genre de prêt. Vous pouvez utiliser des tantimes. Vous pouvez utiliser les microcrédits, il y en a plein au Sénégal, il y en a plein, vous pouvez utiliser cela. Vous pouvez même épargner aussi, hein. Vous avez besoin par exemple d'acheter une machine qui coûte 100 000 francs et la trésorerie, en faisant votre budget, vous rendez compte que vous n'aurez pas 100 000 francs tout de suite. Vous prenez le temps de calculer dans combien de temps vous pourrez mettre de côté pour avoir 100 000 francs. Ça va vous permettre justement de pouvoir épargner régulièrement et atteindre l'objectif de ces 100 000 francs. Vous pouvez aussi
pour éviter les soucis de liquidité, jongler sur les factures. Par exemple, vous avez des factures à payer, le loyer, l'électricité, l'eau. Il y a certaines factures, vous n'êtes pas obligé de les payer en avance. Gardez de la liquidité. Prenez les priorités, par exemple. Payez celles qui sont prioritaires en attendant que telle entrée arrive. Mais assurez-vous que quand vous allez d'abord payer telle chose en priorité, que l'argent, la liquidité qui vous est restée, servira à quelque chose qui va vraiment avoir un plus dans l'activité. Comprenez? Donc, c'est des petits jonglages qu'on peut faire pour justement éviter de consommer l'argent de son business et équilibrer, voilà, les soucis de liquidité. Si c'est pour dans votre famille, donc ça c'est qu'on a vu pour l'activité. Pour votre famille aussi, vous pouvez avoir que les dépenses et les entrées que vous avez ne sont pas équilibrées. Ok, qu'est-ce que vous pouvez faire? J'ai assez de dépenses, mais les entrées que j'ai ne me permettent pas. Déjà, dans votre activité, une partie des bénéfices doit vous permettre de pouvoir faire face aux besoins que vous avez. Peut-être 20% par exemple. Mais si ça ne suffit toujours pas, envisagez d'ajouter une autre activité justement qui va vous permettre d'augmenter votre revenu. Faites une autre activité si vous avez la possibilité de travailler aussi. Faites-le. Oui, on peut être en même temps dans une activité, en même temps salarié quelque part. C'est possible. Ou alors, si l'emploi du temps ne vous est pas favorable, trouvez d'autres activités où vous pourrez justement compléter ces revenus-là. Si vous êtes tout seul, si vous n'avez pas de soutien à gauche, à droite, c'est ce que vous pouvez faire. Et toujours l'astuce des factures. Regardez l'alternative des factures. Ne pas toujours payer en avance. Ça vous permet aussi d'avoir de la liquidité. C'est très important. Il est vraiment important, mais très important d'avoir une très bonne gestion dans votre activité. Et surtout, mesdames, privilégiez l'épargne régulière. C'est un ingrédient clé pour la réussite financière de votre activité. L'épargne régulière, pas si gros, même 1000 francs, même 500, de façon régulière, quelque part, ça vous crée un fonds de secours. Privilégiez cela. À présent, nous avons vu qu'il faut bien gérer son capital. Nous avons vu les astuces pour éviter de consommer l'argent de son activité. Mais aussi, il est important d'avoir des astuces pour éviter ou pour bien gérer les bénéfices de son activité. Ah oui, parce que beaucoup d'entre nous ont fait des erreurs quand on a les bénéfices. Tantôt, on les réinvestit totalement dans l'activité. Non, ça ne se fait pas. Une partie des bénéfices doit servir à votre activité. Une autre partie doit servir à vos revenus et vous. Une autre partie doit vous servir à réinvestir dans quelque chose d'autre. On ne met pas tous ses omelettes, bien tout son potentiel dans un même bocal. Il faut vraiment séquencer tout ça. Identifiez les coûts. Si vous vous rendez compte que vous n'avez pas assez de bénéfices, travaillez sur les coûts. Réduisez le plus de coûts possible qui ne vous permettent pas d'avoir de bénéfices conséquents pour pouvoir justement faire cette répartition comme on l'a dit. Si vous l'avez fait et qu'il n'y a rien qui se passe,
Revoyez les dépenses que vous avez peut-être mensuellement. Peut-être que vous faites une dépense de façon régulière chaque mois et que si une fois vous dépensez une bonne fois pour toutes, les autres mois vous n'allez pas faire cette dépense. C'est comme par exemple quand on achète un truc de bas car de mauvaise qualité et chaque mois ça se gâte, on ne fait qu'à changer, on fait que changer. Mais si on investit sur quelque chose une seule fois, une bonne fois pour toutes, ça va nous permettre de gagner un tout petit peu en coût et augmenter un peu nos bénéfices pour pouvoir justement faire cette répartition qu'on a dit, une partie des bénéfices pour l'activité, réinvestir dans l'activité, une partie des bénéfices pour soi, une partie des bénéfices pour réinvestir dans autre chose. Il faut investir dans la qualité, c'est très important. C'est vrai que quand on est dans une activité, on cherche pas le moins cher. Mais il y a des fois le moins cher comme individu. Et quand on investit dans des trucs de qualité, on le fait une bonne fois pour toutes. Et en plus, voilà, on n'est pas confronté à des problèmes de fidélisation de clients parce que le cycle va continuer. C'est très important tout ça. Tout ceci, ce sont des astuces justement pour vous aider à avoir une bonne gestion. Pour vous aider à avoir des bénéfices assez conséquents qui vont vous permettre de vous rémunérer, qui vont vous permettre de réinvestir dans votre activité et dans d'autres investissements que vous pouvez faire. Il est très important de faire cela. Une partie des bénéfices, comme je dis, oui, pour investir dans une autre activité, oui, c'est possible. Parce que, comme on dit, voilà, vous pourrez avoir besoin de pouvoir créer une autre activité et c'est une partie des bénéfices qui va vous permettre de faire ça. Il est très important d'avoir des bonnes habitudes financières, de bonnes astuces et surtout, surtout, s'il faut retenir quelque chose de tout ça, notez toujours tout. Planifiez tout. Créez-vous un budget personnel et pour votre activité pour maintenir l'équilibre. C'est très important. En conclusion, l'épargne régulière, on en a vu, ça vous aidera aussi pour les cas d'urgence, pour ne pas piocher. Apprenez dès à présent à vous constituer une petite épargne quelque part, un petit fonds de sécurité quelque part. Apprenez à le faire. Ça va vous permettre de ne pas puiser tout le temps dans la caisse de votre activité. Apprenez à consommer, c'est-à-dire les coûts, de revoir les coûts de votre activité si vous pensez que ça ne va pas quelque part. Oui, c'est très important. L'investissement aussi peut aider votre activité à atteindre des objectifs de croissance et limiter vos risques. Chères dames, nous avons abordé beaucoup d'éléments dans cette session. Par-dessus tout, la pratique est primordiale. Si tout ceci, vous ne les pratiquez pas petit à petit, cela ne va pas servir à grand-chose. Commencez à créer des petites habitudes de façon régulière. Et petit à petit, ce sont des habitudes qui deviendront partie intégrante de vous et de votre activité. Et plus vous êtes fidèle quand vous êtes au début, dans les petites choses que Dieu vous confie, plus Dieu vous confiera de grandes choses parce qu'il sait que vous avez la capacité de gérer de petites choses et donc les grandes choses, il n'hésitera pas à vous les donner. J'ai été ravie de vous apporter encore ces éléments de conseil. N'hésitez pas, si vous avez besoin d'accompagnement, je reste disponible pour vous recommander à un confrère
pour vous appuyer également avec d'autres pensées. On se retrouve à bientôt pour une autre session.